I will survive. Il faudra que je pense à faire accorder le bon tant pis. Igor! Igor, mon ami! Igor! Oui, maître. Où est ma femme? Elle fait visiter le donjon à cet agent immobilier que vous avez fait venir. Ah oh, oui, l'agent immobilier. Je l'entends qui arrive. Je suis génération des escaliers, des escaliers. Oh, Mylène, ma chère, ma douce. Oh mon Dieu, Vlad, c'est épouvantable. Monsieur Pizza s'est fait mordre par une chauve-souris. Enragé. Asseyez-vous, monsieur Pizza. Plaza. Il y avait une chance sur 10 millions. Et c'est tombé sur moi. Pas de bol. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Pizza. Je vais vous sucer. Non. La plaie. Oui. Vous désinfectez. Non, ça va. Regardez. Oh, ça a mieux. Oh, il n'y a plus rien. C'est parti. Oh, j'ai des super anticorps, moi. Eh bien, Igor, ne reste pas comme ça dans nos pattes. Tu vas nous flanquer des poils partout. Vous boirez quelque chose, monsieur Radia. Plaza. Va nous chercher des rafraîchissements. Il nous reste quelques-uns des passagers de cet avion malaisien. Dans la chambre froide. Eh bien, va, cours. Alors, mon ami, le château, le verdict. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Ce petit côté Valérie D'Amido, période Marilyn Manson, c'est pas, comment dire... C'est dans son jus. Oui, bon, alors, admettons, passons. Mais il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de clarté. Vous voyez, vous êtes exposé plein sud, il n'y a pas un rayon de soleil, c'est quand même dommage. Hein. Et puis, il n'y a pas de perspective. Moi, j'aurais bien vu un, deux, trois miroirs par-ci, par-là. Et puis, paf! Non, pas miroir, pas milliard, rien, pas paf! Pas paf? Pas paf. Pas paf. Et puis même, l'annonce, elle n'est pas terrible. Vous voyez, je la regarde, Roumanie. Ah. C'est pas vendeur. Ah bon? Non, c'est pas vendeur, Roumanie. Je sais pas, j'aurais plus vu... Europe de l'Est. Ah, elle est rigolote. Bonne nouvelle, les amis. On a plusieurs acheteurs potentiels. On en a. Très bien. Et alors, où sont-ils, ces fameux acheteurs? Eh bien, écoutez... Ils sont deux. Ils sont cachés avec le chandelier. Bon. Eh bien qu'ils entrent. Moi, je vais pas m'éterniser. Je vais y aller. J'ai un Transylvania qui part à 0h12. Je vous laisse. Merci en tout cas, c'était agréable. Non, restez. Soyez notre invité pour la nuit. J'ai demandé si gentiment. Alors, où sont-ils, ces fameux acheteurs? Farmer, Morticia Adams, notre fils est fan de vous, il a tous vos albums. Il est actuellement en stage chez un petit coiffeur, mais si j'arrivais à lui apporter une affichette dédicacée, il nous ferait une syncope. Nous aussi sommes très fans de vous, n'est-ce pas, Vlad? Tout à fait. Madame. Madame. Cher comte. Alors vous êtes venu sans votre fille, mercredi? Non, mercredi est à une pendaison. De crémaillère. Oui, c'est samedi, alors pour mercredi, tout est permis. Non, vendredi. Vendredi, tout est permis. Non, parce que vous avez dit mercredi, tout est permis. C'est vendredi, tout est permis. Avec Arthur, lui. Arthur, certes. Qui est ce simple d'esprit? C'est monsieur Piazzolla, notre agent immobilier, un type charmant. Gomez. J'adore cet endroit, il est lugubre. Mais il doit coûter une fortune. Oh, pour toi, ma corneille, je me ferai exploser les bourses. J'achète, c'est combien? Maître, oui, Igor. Deux messieurs sont en train d'attendre dans la bibliothèque avec la clé anglaise. Faites entrer. L'accusé. Faites entrer l'accusé. Oh, Robin. Attends, tu me dis quand? C'est bon. Tu me dis quand? C'est bon. Tu me dis quand? Attention. C'est bon. Oh, mais ne dis pas que... Oh, mais c'est formidable. Ah, mais quand j'ai vu l'annonce, j'ai pensé tout de suite. Un Dracula, chauve-souris, toi, talin. Et encore, t'as pas vu les oubliettes, un trou énorme. Oh, mais t'es fou, toi. C'est combien? Messieurs, on vous sert un drink? Oh, mais c'est Mylène! Oh.
On vous croyait morte. Oui, vous savez, comme je dis souvent, si la mort est un mystère, la vie n'a rien de tendre. Si le ciel est un enfer, le ciel peut bien attendre. Pourtant, on s'est rencontrés dans mon Ouh, bonjour. Bonjour à tous, la compagnie pétrolière, j'achète. J'achète et je vous préviens, je veux tout de suite un paquet cadeau en forme de château pour mon fils, il y a 8 ans. C'est bizarre, j'étais persuadée que vous vous habillez toujours en blanc. Non, mais c'est parce que je suis l'émir couleur. Monsieur. Monsieur, nous étions là avant vous. Pardon? Nous étions là avant vous, monsieur, excusez-moi. Ah, nous aussi. Quoi? Encore quelqu'un? Maître, un certain Jean-François Copé. Ah! Vous êtes... Vous avez du wifi? Non. Excellent. Téléphone? Non plus. Très bien. Télévision? Nous n'avons même pas l'électricité. Parfait, parfait. Et les cercueils pour dormir, c'est confortable? Non, parce que je recherche un endroit très, très, très reculé pour une retraite un peu anticipée, là, en fait. Voilà. Ah. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai un ami qui va me rejoindre, normalement. Je pense que vous le connaissez, cet ami. Vous l'avez croisé en soirée chez Vladimir Poutine. Ah oui, le petit hongrois, là, très nerveux, très agaçant, qui ressemble à... Louis de Funès, ouais, exactement, exactement. Bon, c'est combien? Oui, c'est vrai, enfin, c'est combien? Alors, je vais annoncer le petit tarif, pif, pif. Alors, attention, le tarif, 60 millions d'euros. 60 millions! Et je vous règle tout ça en plus, cash, voilà. Je vais vous demander une petite facture de 22 millions, hein, on fait comme ça, hein. Adjugé! Vendu! Oh, tu sais quand même, Vlad, le château me manquera. Oui. Oh, mais ne vous inquiétez pas, Mylène, ne soyez pas triste, l'important c'est qu'on ne demande qu'à... Henri! Applaudissements pour Antonia, les derniers sont tous, les décaféinés, Emmanuel et Jeanne, Steven et Christopher et Verino. Dès qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses, alors abonnez-vous.